Et ses frères qui avaient un zèle pour ce message, qui consacrèrent leur vie pour son avancement, leur propre bien, leur propre intérêt n'avait guère de sens. Ils allèrent partout, partout proclamant qu'il n'y a plus de temps. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Hyper occupés pour les trésors éphémères du monde. Revenez à Jésus. Oh Jésus. Faire son œuvre en silence. Un peu de mensonge, un peu de complot, un peu de tricherie. Petit à petit, cela devient normal, plus de crainte, plus de condamnation, ni repentance, ni honte dans les cœurs. Et la ligne de démarcation, croyez-vous gagner en combattant hors des principes, devant un Dieu si jaloux? Essaye de te voir comme dans un miroir et fais l'autocritique. Quel exemple donnes-tu au monde? Car un chrétien ne doit pas être une pierre d'achoppement. Non, non, non. On a du soleil, les panneaux indicateurs. Et si le sel perdait sa saveur, oh à quoi il sert? Revenez à Jésus. Et faire son œuvre en silence. Des propositions d'affaires, d'affaires si alléchantes, mais très subtiles. L'onction de cet âge mauvais, le cavalier sur son cheval blanc, c'est l'onction de la première bête
et la montagne s'éleva à l'endroit du désastre. Oh, le royaume est restauré. Dans la fente du rocher.